Salut, c'est Fit pour Factor News. C'est Fit pour Factor News. Aujourd'hui dans Tu connais, on va regarder Eye Dracula Genesis. Ok, donc des petits problèmes techniques. J'ai eu quelques semaines sans stream parce que j'ai eu d'autres problèmes techniques. Mais là, ça a l'air d'être à peu près réglé. On a du son. Le micro fonctionne. L'image a l'air d'aller. Très bien. On va pouvoir recommencer à streamer. Alors, Eye Dracula Genesis. C'est un shooter en top-down. Avec une vue légèrement isométrique, en 2D. Et c'est un roguelite. Donc on joue ce perso qui n'est pas du tout Dracula. Je sais pas pourquoi le jeu s'appelle Eye Dracula Genesis pour l'instant. En tout cas, j'ai pas rencontré Dracula jusqu'à présent. Alors on est censé avoir plusieurs persos. Draco le chasseur. On a... Eh ben j'ai pas accès. Espèce de main. On a... Ouais, trois autres persos qui sont pas disponibles pour l'instant. C'est pas encore débloqué. Donc le perso a des capacités spécifiques. Ok. Alors ce qu'on peut faire, on peut... C'est un twin stick shooter. Je peux jouer à la souris aussi je crois. Ouais. Moi je vais jouer à la manette. Donc, j'ai un pistolet. Qui a des espèces de munitions mais c'est infini ça. Okay. Je peux faire des sauts. Je peux pas spammer ça, mais en fait, on le voit là quand le cooldown est fini au-dessus de ma tête, j'ai une espèce de. Une petite icône. Et puis on voit aussi en bas à gauche là sur le X, une espèce de petite lumière verte. Ça, c'est pour faire les sauts. Je suis invincible pendant les sauts, donc ça me permet d'esquiver les attaques. Il y a beaucoup de choses. Il y a des items, donc X, B, Y, plein de trucs qui sont encore bloqués. Et avec RT, j'ai. Une espèce d'arme spéciale là qui consomme de l'énergie violette qui se recharge je sais plus comment. En haut on voit mon perso qui est niveau 0 là. J'ai 30 points de vie, j'ai 30 points de mana. La mana ça sert à utiliser d'autres items, donc c'est encore différent de la jauge violette en bas là, et de l'argent qui est uniquement pour se rendre. Donc on choisit l'univers. L'univers c'est un peu le niveau de difficulté apparemment. Normal. Ça c'est... Non, ça c'est easy en théorie, ça c'est normal, quelque chose près. Ça c'est hard, et ça c'est impossible. Donc là, sur le niveau de base, les ennemis ont 20% de HP en moins, font 20% de dégâts en moins. Projectiles sont plus lents, super spécial, easy jump, weak boss, short run. En théorie, hein. Après moi de ce que j'ai joué, c'est quand même assez difficile. Alors, on choisit une classe, donc au début j'ai vraiment beaucoup de choix. Donc unlock... Il faut débloquer plus de classes pour avoir plus de choix. Donc là, le seul choix que j'ai, c'est ça. Classe 0, plus 2 max HP. Donc je vais passer de 30 à 32. Et si je peux définir des modificateurs pour que je sois plus ou moins difficile. Pas de cooldown sur le jump, plus d'ennemis. On peut avoir des malédictions, des anomalies, je ne sais pas ce que c'est. Les chests sont mana blocked. Alors il y a plein de types de coffres. Il y a des coffres qu'on peut casser juste en marchant dessus, des coffres où il faut des explosions, des coffres où il faut de la mana, des coffres où il faut je ne sais pas quoi d'autre. C'est un petit peu fouillis, il y a un tuto, mais il n'explique pas tout. Alors, on est sur la première map. Alors, directement on a un truc ici, Unlock System x8. Donc ces trucs là, ça me téléporte sur une toute petite map. Qui me donne un item. Donc, voilà. Donc là, voilà, par exemple, ces coffres-là, on voit l'icône, il faut une explosion pour les ouvrir. Ça aussi et ça aussi. Donc là, je vais ramasser une arme, Landmine Seeder, donc ça, une arme de tier 2, c'est la première arme tier 2 que je trouve d'ailleurs. Donc elle est de type explosif, elle a deux bonus globaux, Cold Damage, Speed, Irradiated plus, hein, donc je vais être plus irradié. Je sais pas ce que c'est fait d'être irradié. Donc j'ai une arme secondaire, hein, et puis je peux avoir une arme. Principal, voire plusieurs, là j'ai différents slots 1, 2, 3 et 4. Et donc, comme c'est des explosifs, ça va me permettre de casser ces trucs là. Donc, dans ces espèces de chauves-souris, ça me permet de débloquer de nouvelles armes ou de nouveaux items. J'ai l'item, et puis directement, je vais me faire attaquer par des ennemis, ce qui me permet de l'utiliser, de la tester tout de suite. Voilà, donc, là, les munitions sont pas infinies.
Voilà. Ok. Ok, ça les irradie les ennemis. Alors je suis pas obligé d'utiliser, hein, je peux utiliser l'arme que je veux d'ailleurs. Les ennemis sont assez résistants. Donc là on a des ennemis, lorsqu'on tue, on les tue une fois, bah ils sont pas morts. Ok, donc maintenant que j'ai fini ce petit challenge, j'ai débloqué des metal box qui sont communs. Donc il faut détruire avec des explosifs. Ok, puis j'ai débloqué l'arme en question. Special challenge survive to unlock metal boxes. Les metal box qui ne peuvent être cassés qu'avec des explosifs. Des box sont des icônes. Je sais pas c'est quoi l'espèce d'icône que j'ai au-dessus de la tête là, mais là, ça va. J'ai déjà perdu 14 points de vie là. 13 points de vie. Ça commence bien. Faut pas que je sois trop. Je tire trop avec ça parce que j'ai des munitions limitées. En fait, je choisis une des portes entre parenthèses, ça me téléporte là. Donc, ça c'est un marchand. On peut acheter de la vie, un challenge. Ça c'est un artefact, Fire Immunity. Donc un peu à la Binding of Isaac, en fait on va voir ici les items passifs et les reliques. Donc là j'ai pour l'instant ma classe, mais les reliques ici vont s'entasser, s'empiler. Voilà mes stats ici. Et donc ça, ça serait une relique par exemple, immunité au feu qui serait dans cette liste. On va revenir en arrière. Et crâne, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que ces crânes en argent. Je peux ramasser des munitions. Aïe, j'ai touché ce truc qui pipe là. Gage. Je vais l'écarter juste pour être tranquille. Je sais pas ce que c'est ça. Pareil, cette espèce de marque blanche au sol, je ne sais pas ce que c'est, peut-être que par la suite je peux me téléporter. Donc là, une nouvelle arme. On va voir un mot existé, The Gun Explode. Ok. Donc c'est une arme principale, donc là on voit que je peux en équiper qu'une seule, parce que je suis niveau 0. Donc on voit là, l'espèce de jauge qui se remplit. Enfin, je serai niveau 1 et puis ça va me débloquer d'autres slots plus tard. Donc j'ai quand même gardé le Landmine Seeker qui est une arme tier 2. Ce qui est dommage par contre c'est que... Quoi, j'ai scrappé l'arme. Ok, c'est absolument pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Donc là, j'ai... du coup, ça m'a... Alors, quand on scrappe un item, ça va donner de l'argent ou de la vie pour un item. Et en l'occurrence, ça m'a donné un mode modificateur qui augmente la taille des projectiles. Donc on voit l'espèce de petite icône ici. On peut en avoir plusieurs. Plusieurs modificateurs. Bon bah, c'est la vie. Du coup. J'ai ce flingue à la place. Du coup, ça il faut des explosifs que je n'ai pas. Il y a des trucs qu'on peut casser, mais je ne vois pas l'intérêt. Donc ça me donne de l'énergie violette, mais je suis déjà à fond. Une nouvelle arme, Blitz Blaster. Fang charge Power Shot, ok. Donc Power Shot c'est les, c'est la jauge violette. Donc c'est-à-dire que quand je tire avec cette arme là, ça me remplit... Non, c'est encore autre chose. Ça me remplit une jauge aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ok, en fait tous les 5 tirs j'ai un gros tir. D'accord, c'est pas du tout ce que je pensais. Ok, donc ça c'est bien, j'ai récupéré de la vie. Et je récupère le mode. Impeccable. Voilà, donc ça tire en glide, les niveaux sont générés procéduralement. On va chercher... faut trouver un téléporteur qui permet de partir. Et puis on va chercher un boss qui permet de donner la clé pour le téléporteur.
Ok, c'est bien passé. Ces items, alors des fois, il y a des items qui disparaissent, ce qui est un peu nul, parce que la vie, on en a énormément besoin. Tiens, on en a qui restent. J'espère que celui-là fait partie de ceux qui restent. Donc, je trouve beaucoup d'armes, hein, ce qui est cursed. Je peux en prendre de dégâts moi-même. Et ça, c'est une borne, alors que je peux utiliser 8 pour avoir un item comme ça. Je compare l'arme que j'ai actuellement. Ouais, je préfère ça quand même que ça. Donc on va le scrap. Bullet, accelerate and fly faster. Sûr. Ah, je peux pas, je peux en mettre qu'un seul. Il faut que j'ai un niveau supplémentaire. Je peux pas équiper de mode sur mon arme secondaire. Je peux avoir d'autres armes secondaires, mais je peux pas mettre de mode dessus. C'est un peu nul. Ah, j'avais pas vu le pic. Milieu des pics, c'est de la merde. Alors on va scraper ça. Ok. Tour, bah, je vais récupérer de la vie. C'est pas un problème. Donc j'ai deux pièces d'argent, deux pièces d'or, hein, c'est qu'un peu nul, mais c'est comme ça. Pièce des examens. C'est pas ça, c'est un piège. Ok. Bernard l'ermite dans une machine à laver. Et un nouveau mode. Reload magazine faster. Bonus d'épaule. Ok. Mais je peux toujours pas l'équiper parce que je suis que niveau 0. Voilà, donc ça c'est le téléporteur. J'ai besoin de la Boski. Des munitions. Très bien. Énorme seconde. Une deuxième arme secondaire. Enfin, une deuxième, ça remplace. Voilà. Très bien. Donc ça... C'est un item, mais il est utilisé instantanément. Alors, vraiment que j'ai pas compris un truc. Used vampirisme. Donc là, j'ai vampirisme, mais voilà, mais... Je sais pas pourquoi, comment je suis censé l'utiliser. Peut-être que je peux pas le stocker pour l'instant. Là par exemple, hop là, je peux sauter. Des munitions. Donc là j'ai pas d'explosif pour ça. Là on a une caisse. Ah c'est un item, une relique. Item, je sais pas comment ils appellent ça. Quand je dégoupille une island, je gagne. Alors island, je crois que c'est les... Ça c'est une île. Voilà, donc j'ai un deuxième item là. Et là, je vais arriver au boss. Ok, ready. Super Gorilla Head. Donc là, j'ai utilisé mes deux tirs de RT. Ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai l'impression que le boss remonte de la vie. Je sais pas comment ça marche. Ah, je crois que c'est la vie rouge en dessous. Ah putain, c'est pas fini. C'était la feinte. Alors voilà, le truc qui m'embête un petit peu, c'est que des fois, on a des... Je vais y arriver. On a des tirs qui viennent en dehors de la map. Et c'est un peu embêtant. C'est embêtant parce qu'on les voit pas. Donc là j'ai utilisé toutes mes munitions, ce qui est pas grave, hein, c'est à ça que ça sert. J'ai un Ancient Coin, j'en ai déjà récupéré quelques-uns, j'en ai absolument aucune idée de quoi ça sert, donc là on voit que j'en ai 4. Ça a disparu.
Tier 2 weapon. Ouais. Ah d'accord, c'était un item qui m'a donné une arme. Donc là on voit comme j'ai fait un niveau, j'ai un slot d'arme en plus. Non ! Pourquoi il scrape ? C'est fou ! Ah putain, je pense que c'est parce que j'ai passé de la souris à... Bon. Eh ben c'est ballot à nouveau, j'avais une super arme que j'ai perdue. Bah, de toute façon on va faire à mon avis un autre run. Ça c'est pas bon. Qui c'est ? Avec ça. Activate. Bien sûr. Okay. Voilà. Ok. Utiliser ça, je ne sais pas ce que ça fait à part spawn des ennemis. Voilà. Le glider station, j'en ai pas besoin. Ça fait une espèce d'énorme truc de saut qui me permet de planer. Je vois pas l'intérêt ici. Bon, bah au moins j'ai toute ma vie. Je vais juste retourner chercher le mode que je pouvais pas équiper. Donc là, c'est ici que je vais partir. Là, j'ai fini. Ouais, sûr. Reload. Ah. Yep. J'en avais un autre là d'ailleurs. Je peux pas utiliser. Non. Accelerate and fly further. On va acheter un œil vite fait au marchand, hein, voir si j'ai 9 pièces. Ah, je suis même pas assez pour ça. Bon, y a des trucs qui marchent pas là, c'est marqué All to Safety, mais. Ok, il est disparu. Et là, j'ai un truc qui permet de se soigner intégralement, mais j'en ai pas eu besoin. C'est-à-dire, c'est plus rentable que d'acheter ça, mais ça ne fonctionne qu'une seule fois. Ok. Donc, fin de la première map. Là, entre les deux maps, j'ai un NPC et puis j'ai un choix d'une perk. Un peu comme dans Dead Cells, on va dire. Et radiation. Donc les radiations, j'en ai pas eu pour l'instant. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon XP ici avec mon niveau, ma vie, ma mana qui sert à je ne sais pas quoi pour l'instant. Donc j'ai une espèce de jauge de spécial qui se remplit tout seul. Les munitions pour mon arme, ça c'est une jauge spécifique à l'arme. Et puis ici, je peux avoir une petite icône de radiation. Je sais pas ce qui se passe quand j'ai radiation à fond, si j'ai une modification ou quoi que ce soit. Alors, plus de radiation, on s'en fiche. Stuff humanity, ça me donne un kit. Ça, c'est intéressant. Lorsque je jump, ça fait des mines. Voilà. Donc à chaque fois que j'utilise mon saut, ça balance une jumping line, ce qui est très cool. Et donc, le NPC ici est aléatoire. Ok, je peux lui filer à bouffer contre de l'XP. Mon arme. Arme spéciale, je sais pas ce que c'est, Alien Tech. Qu'est-ce que j'ai comme Alien Tech? Qu'est-ce que t'appelles de l'Alien Tech? Ça c'est une Special Weapon, une arme spéciale, ça c'est une arme standard. Je sais pas d'Alien Tech si. Ah bah non, c'est pour ça que c'est grisé. Okay. Ça me sert à rien, hop, je t'envoie à la maison. Je vais passer à la deuxième map. Regardez vite fait comment c'est... Bah bah, ça a l'air d'être assez fluide. Salut Thésus. Pourquoi est-ce que je ne vois pas le chat ici? C'est fou ça. Ça marche, ça.
aucune idée de ce que c'est. Alors c'est un peu le problème, c'est que ça manque un petit peu d'infos pour l'instant. Apparemment je vois que je peux avoir des équipements, j'en ai pas encore eu. Y a pas mal de NPC. J'aime bien le style graphique, mais c'est un petit peu fouillé parfois. Et comme je disais, c'est assez chiant quand... Bah, quand on se fait tirer dessus par des trucs qui sont en dehors de la map. Alors ce qu'on n'a pas encore vu, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits aussi où il faut sauter pour aller chercher des trucs en hauteur. C'est ça là. Et c'est pas évident parce que les sauts sont pas hyper précis. Mais... Donc là j'ai fait péter la caisse, j'espère que ça va pas disparaître. Ah, de la parlotte. De la parlotte de quoi? Le NPC? Qu'est-ce que c'est que ça? On va voir. En marchant. En marchant. Ah, tiens, je suis en couille, vas-y. Tu vas avoir des machines là. Vas-y. Donc il y a beaucoup de sous-systèmes comme ça qui sont pas forcément très clairs. Voilà, donc putain, je parlais de la plateforme. Donc voilà un exemple de plateforme. Putain. Non mais ça, on faisait ça à l'époque sur Mega Drive et Super Nintendo, là, la plateforme... putain, la plateforme en isométrique, ça peut être interdit. Enfin. Genre... Comment ? Faut que je saute, putain. Là, faut que je... Quelle horreur. Ah, j'ai réussi. Là, il faut pas que je tape ces cubes. Ouais, donc ça non, ça les plateformes en isométrique, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, c'était pas bien il y a 25 ans. Non, c'est... J'ai réussi. Il y avait une autre île, ok. Non mais en fait ça c'est... Ok. La BO a l'air très sympa. Ouais, la BO est pas mal. Non mais les plateformes isométriques c'est l'enfer. Alors c'est marrant parce que j'en parlais il y a 2 minutes et puis on a eu un excellent exemple, c'est la première fois que je vois hein, de trucs qui vont pas faire. Ok, donc en fait ce challenge, c'est la première fois que je le fais, donc ça permet de récupérer des petites pièces vertes qui me permettent d'acheter des trucs ensuite. Donc là j'aurai un level up, 60, on va laisser tomber. Summon list, drop one gold, ça aurait été pas mal ça. Et du coup j'ai quoi? J'ai 5 mushrooms. Super. Ça, je crois que c'est de la merde. Voilà. 12,50 de mana. C'est génial comme champignon, ça. Ça fait tout exploser. Voilà. Ça, j'ai déjà eu. Par contre, les deux trucs, c'est pas mal. Ça va me débloquer un consommable. Donc, premier challenge. Mais ça, je connais ça. Je trouve. Donc, par contre, je vois pas le rapport entre le fait d'avoir un champignon qui booste ta stamina. Et des ennemis derrière. Genre, comme ça marche. Stunning shot pendant 15 secondes, ça c'est bien. Ah, c'est vrai que j'oublie que j'ai ces 1000. Donc là j'ai débloqué un premier truc, j'ai le deuxième ici. Encore un champignon? Ah voilà, je peux utiliser là. Stunning shot pour 5 secondes. Ça stun mais ça fait des dégâts ça. Max mana. Full mana plus 2 max mana.
Ouais, alors le problème, c'est tout ce qui est isométrique. Dès que t'as des trucs en hauteur, c'est compliqué. Tu vois, là, dès que tu commences à sauter et tout, c'est un peu difficile de réussir à viser. Ça, c'est le reproche que j'ai à faire avec le jeu, c'est ça. C'est dès qu'il y a une gestion de hauteur, ça marche plus du tout. Et puis, celle-là, t'es très clean. Il y a vraiment des environnements assez variés, c'est bon, chouette. Mais ouais, faire du mélange 3D isométrique avec de la hauteur, ça marche pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai du mal. Mais ça fait vraiment comme les jeux à l'époque sur Mega Drive ou Super Nintendo. Il est très beau à ce niveau-là. Il y a beaucoup de trucs, je sais pas ce que c'est là. J'ai le micro là au-dessus de ma tête. Ça, c'est des espèces d'aimants. Voilà, ça m'attire tout seul. Donc là, c'est pas très grave, mais s'il y a des ennemis, ça peut être un peu chiant. Je ne sais toujours pas ce que c'est que ces trucs blancs. Je peux casser des arbres, ça n'a aucun intérêt. Donc juste avant chaque boss, il y a toujours un item ici. Donc on va pas se priver pour le ramasser. Craig, 3 tier 1 relic. Cool. When visiting New Island, il 3 HP. Très bien. Plus 5 luck. Ok. Plus 5 max HP. Je fais sur Silent avec Bonnie. Ok, c'est quoi Bonnie? Excellent. Donc, ça c'est cool. J'ai une session pour remonter ma vie si j'en ai besoin juste avant le boss. Donc, on va fouiller le reste. Moi j'aime bien fouiller. Quoique techniquement, je peux fouiller après, hein, puisque le boss en fait c'est pas la sortie du niveau, mais je sais bien si je peux me stuffer avant le boss. Ça c'est encore un marchand, Megaton Shop. Landstalker m'a traumatisé avec ses plateformes. Ouais, voilà, c'est un peu ce à quoi je pensais. Je parlais des plateformes en isométrique. Il y avait un Sonic 3D aussi qui était. Ouais non, il faut pas. Il faut pas. Shot pour aller faire le split and fire backward. Ouais. Alors ça c'est un mode, ça c'est un flingue. Dice gun. Electro gun. Maudit de la vie. Un bracelet qui augmente la vitesse, portée, cadence de tir et dégâts de 5%. Plus un bonus de vie de HP. C'est pas mal, mais ça coûte trop cher. Et à 40, c'est plus 5 de HP en plus. Et moins 5% de vie sur les ennemis. Bah c'est très bien, mais j'ai pas d'armes. J'imagine que par la suite on a peut-être plus de moyens d'avoir de l'argent, mais pour l'instant, avec mes 12 pièces, c'est à peu près le genre de max que j'ai eu. Ouais, alors voilà, vous voyez, les ennemis là, je me fais tirer en dehors de l'écran. C'est un peu chiant parce que tu ne vois rien, quoi. C'est un peu compliqué cette histoire. Alors le fait de collecter des crânes, j'ai absolument aucune idée de ce que ça fait. Voilà, donc ça c'était génial, je me suis téléporté en plein sur l'ennemi. C'est complètement n'importe quoi. C'est fou, hein, j'arrive pas à tuer un pauvre ennemi, quoi. Tout ça parce qu'il y a plein d'obstacles sur le chemin, là. On voit tous les obstacles qui absorbent mes tirs. Better damage, decrease range. Decrease range, est-ce que c'est une bonne idée? Le problème, c'est pas les dégâts, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui absorbent mes tirs. Ok. Ok, de la vie, on va revenir en arrière. Syndrome Hotline Miami 2, deuxième meilleur champ. Ouais, bah Hotline Miami c'est différent parce que c'est plus du puzzle game. Donc Hotline Miami, entre parenthèses, si t'as un problème, tu relances la mission dans la seconde et puis tu pars. Là c'est du roguelite quoi, donc tu meurs, ça finit ton run quoi.
Je suis un peu sur le cul du design, c'est DT animé comme du Robertson. Je ne sais pas c'est quoi du Robertson, mais en tout cas, oui, c'est très beau. Ça fait un petit peu penser à... Comment ça s'appelle? Les Bitmap Brothers, Chaos Engine et compagnie à l'époque. Pour les vieux. Mais oui, Hotline Miami, c'était un peu pété, mais on est sur du puzzle game, donc... Tu veux dire, ouais, c'est n'importe quoi, je me fais tout en dehors de l'écran, mais après, tu sais que les ennemis sont là, et puis tu relances ta pièce dans les secondes. Là... c'est un peu autre chose, quoi. Et le problème, en fait, d'avoir des graphes aussi détaillés, c'est que c'est pas forcément évident de voir les projectiles. C'est un peu problématique. Et les projectiles vont super vite, hein. Je sais pas si vous avez vu, là, mais... Ok. Donc là, on a des tourelles immortelles. Ok, je vais trouver un mode. Alors. Fire Flaming Rock. Cannon. Ah ouais, moi je suis déjà plein. Motherfucking scorpion. Donc ça, il faut des bombes. Ce qui est bien, c'est que j'ai la mine. Ça, je crois que c'est un bonus de vitesse. 20% fire rate and reload. C'est très bien, ça. Très 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 bien. Du coup, on va scraper ça. Bim. Ce qui me donne un weapon mode. Projectile qui retourne avec le temps. C'est-à-dire que... Ah, boomerang, intéressant. Cadaver, ouais, cadaver, ouais. Il y a un côté Bina Brother. Ouais, non, mais c'est, j'aime beaucoup, hein. C'est juste, c'est limite trop détaillé sur certains aspects. Et en fait, le problème, c'est que quand tu fais du pixel art, ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne gestion des contrastes. Là, en fait, tout est très saturé, c'est très beau. Le problème, c'est que c'est assez difficile de démarquer en fait les objets qui ont de l'importance des autres. Par exemple, les arbres ici, ils sont à peine moins saturés que les autres trucs. Alors oui, les pics sont plus rouges, on les voit un peu plus, mais par exemple, les tourelles, elles démarquent pas beaucoup plus du reste du décor. Alors elles sont animées, mais par exemple, les brins d'herbe sont animés aussi, quoi. Les portes sont animées, il y a beaucoup de choses qui sont animées qui font dans le feu de l'action, c'est pas forcément évident. Et autant pour les ennemis, c'est un problème, mais c'est encore plus un problème pour les projectiles. Les projectiles vont très très vite. Et ils sont pas toujours très visibles. Mais bon, j'imagine il faut s'habituer. C'est un coup à prendre. Bah du coup, c'est ça aussi. Ah bah, c'est ballot. Je peux voir la carte. Du coup, on va aller au boss. Donc je vois un petit peu les items que j'ai laissés. Donc ça, c'est des mods. Que je pourrais casser d'ailleurs. Il y a de la vie. Je peux casser. Non, ça je peux pas casser. Le problème des sauts, c'est que t'avances légèrement quand tu... Est-ce que ça vaut le coup, ça, huge bullet? On va scraper ça. Ça me fait deux pièces, c'est toujours ça de prix. Puis là on va casser ça aussi. Voilà. Moi qui ai toujours tellement d'argent. Il y avait un run que j'avais fait où lorsque j'utilisais mon bouton de saut, mais que le saut était en cooldown, ça lançait des boomerangs. C'était génial. Je passais mon temps à sauter, du coup à balancer des boomerangs dans tous les sens. C'était très très efficace. Ok, c'est pas mal ça. Ah d'accord, moi je pensais que ça traversait les ennemis puis que ça revenait. Mais là c'est pas tout à fait ça. Alors, resize, increase, c'est une AK. Ah bah j'ai un deuxième slot, on peut l'équiper quand même.
pour pas faire la fine bouche. Mais du coup, c'est bête, j'ai cassé des mods que j'aurais pu utiliser. C'est pas grave. Sors la tête, la tourelle. Ah, c'est génial. Je sais pas c'est quoi cette pièce, il y a un cadenas. Je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est une espèce de... Voilà. Montre-toi ça. Improve overall fire rate, comme si c'était pas assez rapide. Okay. Ah, du coup, qui disait ça? Salut. Siri on, loading, lolo. Summon, Ama, Jackpot, Saver, HP Buyer. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est des NPC. HP Buyer, c'est je peux lui donner ma vie contre de l'argent. Je sais pas c'est quoi les autres. On va voir après. Oula, oula, oula. Soit des mines, vive les mines. Qu'est-ce que c'est ça? Quand je finis un monde, full HP, mana, énergie. Ouh, c'est bien ça. Là, on fait plein de missions, tant qu'à faire. Donc là, honnêtement, j'ai le run n'est pas trop pourri. Hein. Je vais assez loin. Saver, jackpot. Save me. What? C'est moi, il y a un autre moi. Comment ça marche? Mais il reste ici? D'accord, donc ça m'a coûté plein de fric pour un machin qui reste là. Ok. Ouais. Voilà, là par exemple, c'est très... Pour moi, c'est très difficile de savoir en fait, est-ce que l'objet était en l'air à ce niveau-là, ou est-ce qu'il était près du sol à ce niveau-là. Parce que je n'ai aucune idée. Surtout que souvent, les objets n'ont même pas d'ombre au sol. Bof quoi. Tiens, est-ce qu'il y a un mode que je peux récupérer là? Non, parce qu'il est dans la flotte, et si je vais dans la flotte je perds de la vie. Néanmoins, de la vie à côté. Oh, j'ai réussi. C'est quoi que j'ai ramassé du coup? Resplit. Fire itself once more. Oh. Ok. Pas mal stuffé là. Je pense que ça va pas trop mal se passer. C'est quoi ça? Ugly mutant, effectivement. Putain, la vie ça descend vite. Hein. C'est un peu bizarre cette histoire de vie des ennemis là, parce qu'ils ont la barre jaune et puis ils ont la barre rouge, mais en fait il faut péter la barre rouge pour qu'ils crèvent les machins quoi. Donc bon, je sais pas. Ok, donc là on voit l'ombre en dessous du truc. Mais elle est pas toujours très visible. Les munitions, ça c'est des munitions aussi, très bien, je fais le plein de munitions. Qu'est-ce que c'est ça? 15 fire rate plus 1 énergie en kill. C'est cool ça. Tiens, des NPC, j'en ai croisé. Je sais pas, une quinzaine déjà de différents, une douzaine. Plus is more, moins zone. Ok.
Ouais, mais j'ai utilisé tout mon argent tout à l'heure. Get sidearm, a special weapon. Je comprends pas. Get sidearm as weapon. Là, tu peux swapper un truc. Ok. Alors, no perk point. Comment ça, no perk point? Ah, j'ai pas fait de level up. C'est qui ça? Lester Do. I shoot you. Wheeler Walker Leg Shoot. Walker? Walker Suit. Obtain Walker Suit pendant 15 secondes. Huh. C'est spécial. En plus, ok. Alors, vous avez peut-être vu, mais en fait, quand je me déplaçais dans une direction là, ça se déplaçait de 5 mètres à chaque fois. Hein. Qui absorbe 80% des dégâts. Ok, à la rigueur. C'est comme d'hab, il faut découvrir un peu les items. Là, c'était pas top. Par contre, j'aimerais bien avoir un autre environnement parce que pour l'instant, j'ai un peu que les mêmes trucs un peu crades. Système x9 ou système x9? Je sais pas vraiment. Hein. Special weapon x9. Je gagne 15 XP quand j'utilise cette arme. Ouh, ça m'intéresse. Parce qu'en plus, mon vieux truc là, c'est un peu de la merde, je trouve. La tête repousse, t'es pas sérieux. Non, en fait, ça a aucune portée cette merde. Special box, donc ça c'est des box qu'on peut casser qu'avec l'autre. Des boîtes que tu peux casser qu'avec des explosifs, des boîtes que tu peux casser qu'avec l'arme spéciale. Gain ammo when using this weapon. De l'XP. Des ammo. Mais ça tire genre à 1 mètre de... Enfin, à mes pieds quoi, je comprends pas. C'est compliqué. Improve 5 random stats, impair 5 random stats. Allez. Voilà, donc range plus, range moins, armor plus, armor moins, c'est très intéressant en tout cas. Ok. Ah, donc là j'ai fait un niveau, là donc on peut ramasser une arme de plus. Et je peux équiper un mode de plus sur mes armes. Ah, ça faut le casser avec l'énergie. Après. Je sais pas si c'est un... Ah d'accord, je suis censé me déplacer en fait et ça shoot les ennemis derrière moi. C'est quand même bizarre.
genre comme ça quoi. Et je vais crever avec ce distance. Voilà, donc là, c'est pas forcément évident de savoir où sont les ennemis. Comme je disais, ils ressortent pas super bien tout le temps. Est-ce que je peux casser ce machin ou ça marche? Ah bah non. Ah bah si. Et on va utiliser ça parce que je vais crever sinon. Non, tu... Ah bah j'ai pas assez de fric. C'est génial. Y'a encore des ennemis quelque part que j'ai pas vu? À mon avis, faut que je tape le dessus. Mais je suis mort. J'ai pas compris. Elder Turen. Kito Sofa Tiste. Ok. Foresight Turret. C'est des ennemis en plus. Je fais un level up. Je débloque un nouvel ennemi. Un nouvel objet. Le sort drop. Ah, c'est un bon run, j'ai fait deux niveaux là. Encore un ennemi. C'est bien, j'ai plein d'ennemis, mais. Par contre, j'ai toujours pas débloqué d'autres classes. Alors, je sais pas si. Ben non, le jeu est sorti, il est même plus en early access. Donc là, je peux venir ici, là, caractère. Donc il y a Arman, The Palm, mais je peux pas l'équiper. Et c'est pas indiqué comment je peux le débloquer. Le Jumpman, espèce de Mario là. Le prof. En fait j'ai accès à Eco-Hunter. Donc ça c'est aussi un truc que je vais reprocher, c'est que c'est absolument pas clair ce que je peux débloquer. Et comment je peux débloquer les persos. Et là j'ai déjà 2-3 heures de jeu au compteur, ce qui est pas forcément énorme, mais pour l'instant j'ai à peu près rien débloqué, ce que je trouve un peu bof. J'ai toujours accès qu'à ça, j'ai toujours qu'une seule classe, j'ai toujours qu'un seul perso. Et c'est absolument pas clair quoi. J'ai mes 5 triangles, j'ai absolument aucune idée à quoi ça sert. J'imagine que c'est une monnaie spéciale qui me permet d'upgrader mon perso, mais je vois absolument pas où je peux utiliser ça quoi. Donc bah c'est super, j'ai ça quoi. J'ai toujours mon vieux truc pourri là du début là. Oh, c'est mieux que rien. On va se mettre plus d'ennemis. Puis on va mettre le starting biome parce que ça change. Ça fait plus de difficultés, j'imagine ça fait plus d'XP. Et puis on va faire un petit dernier pour voir. Allez, next system x4. Super missile. Powerful hour. No mana required. Oh, ça c'est des items qui se prennent sur X et B là, c'est nouveau. Vas-y, slot. Ok, ça c'est la première fois que je sais. Ok. Oh, nice. D'accord, j'avais pas le choix d'utiliser que ça. Ok, alors. Ok, alors ce qui est pas pratique du tout, quand t'es en dual stick, c'est que tu. Il faut à la fois que tu mettes le stick dans une direction et que tu appuies sur Y ou X ou B. Donc là je bouge avec un stick, j'ai le deuxième stick et là il faut que j'utilise la claw pour faire ça là, c'est bof. C'est un peu bof. Voilà, donc là j'ai débloqué ça du coup. Donc je disais que je débloque rien, alors à l'instant je débloque un nouveau truc, enfin, ok. Ça prend du temps quand même. Donc là mon run vient de commencer, j'ai un point de vie. Donc ça risque d'être vite fini.
qu'un marchand, ce qui va me servir à rien puisque j'ai absolument pas d'argent. Toujours pas d'argent dans ce jeu. Ça faut des bombes, j'ai pas de bombes. Mais je peux faire une explosion avec ça? Non. Ça compte pas. Il va y avoir des coffres qui requièrent de la mana. Mais me forcer à viser et appuyer sur le truc en même temps. Donc, je regarde des petits trucs à modifier. Alors, les plateformes, je suis vraiment pas fan. Puis ouais, viser et appuyer sur un bouton de face. Non. Ah tiens, on va refaire ça. Ok, je me souviens de ça maintenant. Donc là, en fait, on va pas perdre trop de temps. Bien sûr, faut que je saute absolument partout. Peut-être mieux démerder. Ouais, je me suis pas mal démerdé. 95. Cool. Plus 1 de vie, 10% d'XP. Mais ouais. Puis je peux tout acheter. Allez, 20 de gold. Mais ouais. C'est celui qui drop du gold. Vas-y, de tout. Random mushroom en Every Island. Ce qui peut être bien ou pas bien. Qu'est-ce qu'il fait ce mushroom? Moins 3 max mana, fantastique. Alors au corps à corps, voilà, quand je tire, ça donne un espèce de percut là. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ouais, les champignons qui font des effets négatifs, je suis quand même pas fan quoi. Comme si le jeu était pas assez dur. Je dis, vous êtes sérieux quoi. Anyway, merci pour les cadeaux. C'est pas pire. Là la sortie. Putain, toujours des unlocks. Je sais bien, je vais pas me plaindre, hein, tout débloqué. Générateur, vas-y. Fais du gold. Pas trop intérêt par contre de me faire faire un challenge de combat là. Quand... Thème de charge. Plus 20 HP, punaise, sérieusement quoi. C'est bâtard. Et ramasser des crânes, je sais toujours pas à quoi ça sert. De l'XP. Ça veut dire que si je ramasse pas les crânes, j'ai pas d'XP. Ça serait bien moche. Vache.
Ok, ouais, donc là l'XP monte quand même plus vite. Hein. On est à peine au. J'ai fait deux pièces là, j'ai déjà fait un niveau. Donc là même, mais en imprécis. Super. Je sais même pas si c'est plus puissant. Mais... Ça, c'est un truc qui manque, ça manque de stats. Spoutnik, ça me montre la map, c'est très bien. Il y a le boss là-bas, on peut pas aller là-bas. Ah, un unlock. Encore champignon. L'elfe, plus un max HP, ça c'est très bien. De parfois. Ah, c'est peut-être parce que je suis dans le challenge. C'est bon tout ça. Si c'est pas le cas du tout. Allez, un petit dernier pour la route. Puis on va arrêter là. Là. Donc il y a des runs qui vont bien, des runs qui vont pas du tout. Mais... Je peux sauter dans l'eau, je perds de la vie. Très mauvaise idée. Donc. On le fait pas si c'est pas nécessaire. Moins de dégâts. Non. Merci. Ça fait déjà pas beaucoup de dégâts. Débloquons quand ça meurt. Encore un champignon. Allez, become poison. C'est vraiment quand j'avais besoin de toi. Ouais, donc là c'est tellement c'est bordélique, je vois pas trop ce que je peux faire quoi. Ouais, génial, donc j'ai chopé un champignon de merde et mon run commence, j'ai 2 points de vie. Salut Bilou. De toute façon on va finir aussi là. Ah, j'ai remonté un peu de vie quand même, c'était assez généreux. Ouf, ce que ça change. Tiens, toi ça. Voilà, c'est fini. Voilà, on va arrêter là. On a vu un peu ce que c'est. C'est sympa, c'est joli. Je suis curieux de voir ce que ça donne la progression en fait, parce que ça m'intéresse quand même. Je ne sais toujours pas pourquoi je les appelle High Dracula Genesis. Je vois pas en quoi c'est la genèse de Dracula, puisque je aucun rapport avec Dracula ou quoi que ce soit. Alors j'ai vraiment raté un truc, mais pour l'instant ça m'échappe. Et c'est tout, je crois. Est-ce que le jeu... Je crois que le jeu est uniquement solo. Ouais. Donc il y a Other qui est encore bloqué, c'est de l'early access, hein. J'imagine qu'on peut voir, on devrait voir un tableau des trucs qu'on a débloqués ou la progression. Il y a des choses à faire encore. C'est pas si mal. Voilà, on va arrêter là. Merci et à bientôt.